Bon, voilà, moi je suis Stéphane, je suis le directeur du CAP, et je suis arrivé en 1er avril 2009, et alors voilà, je vais fêter les 10 ans du CAP, et je trouve que cette émulation, cette dynamique créative qu'on a créée là, pour l'occasion, bah voilà, va être dans l'esprit de ce que je défends moi ici, c'est-à-dire de la rencontre artistique, du télescopage, et puis l'association, la transversalité aussi entre les musiciens qui sont des musiciens qui sont là depuis 10 ans, qui accompagnent et qui sont des musiciens qui transmettent en fait leur musique, hein, qui animent les ateliers du CAP, qui vont accompagner voilà 11 artistes qui ont participé à des résidences, qui ont participé, je dirais, à des concerts aussi, et qui, par leur personnalité, par leur esthétique musicale, ont tous ce point commun d'être quelque part des troubadours des temps modernes, parce qu'ils ont tous voyagé, ils ont tous voilà, une espèce de un petit plus, et voilà, et ce lien, je pense, qui va transpirer, cette espèce de philosophie, ils ont compris un peu l'esprit du lieu, ben voilà, ça va transpirer dans cette soirée, et voilà, je suis vraiment très touché d'abord par leur implication, parce que tous ont répété une semaine avant, et ça c'est touchant, c'est vraiment super. Voilà. Et je pense que ça va être une soirée mémorable, comme doit être en fait voilà, un anniversaire, un 10 ans. 10 ans, parce qu'à la fois c'est jeune, et bon, voilà, on commence à être autonome, on commence à être connu, on commence. Mais voilà, on n'est pas dans le passé, on est plutôt dans une espèce de dynamique créative qui, voilà, qui laisse entrevoir aussi le futur. Et ça, c'est vraiment grand, quoi. Je suis très très content. Alors avec une première partie en plus avec des musiciens amateurs, et là, soirée top. Une équipe en plus motivée, impliquée, que rêver de mieux. Le désir avance, les chiens n'aboient plus. شحال من كتاب قريتو، شحال من حكاية حكاولي، الجنب اللي سقسيتو، سطوفان غير خلاولي. Dans cette salle, je suis venue
Et ce soir, puisque entre amis, on se souhaitait l'anniversaire des 10 ans, je suis venue avec un ami spécial qu'on appelle le VET, qui sert à retracer des moments uniques et inoubliables comme celui-ci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Cap pour cette soirée exceptionnelle, soirée anniversaire, puisqu'il y a 10 ans, très exactement, le 16 novembre 2001, le Cap ouvrait ses portes. Un projet ouvert sur le monde, sur la ville et sur le quartier. En 10 ans, ce sont près de 500 concerts qui ont été organisés, près de 120 000 spectateurs accueillis. 2500 musiciens amateurs ont fréquenté le lieu et surtout les ateliers de pratique instrumentale. Et à cela, il faut ajouter bien sûr à peu près 2000 élèves, 2000 scolaires sensibilisés à la musique et à la rencontre avec les artistes. Le Cap a ainsi croisé de nombreux artistes à l'occasion d'un concert ou d'une résidence. Beaucoup, certains en tout cas, ont marqué de leur passage d'une émotion plus particulière, une évidente connivence, de l'amitié, le sentiment de se comprendre, s'entendre pour jouer ensemble. Et ils sont là ce soir. Le Cap, c'est aussi un collectif de 15 musiciens intervenants, fidèles collaborateurs attachés à ce projet singulier en proposant un enseignement collectif exigeant, ouvert sur la création, l'oralité et la rencontre. Le Cap a ainsi tissé des liens, a aussi tissé des liens avec les associations locales ou départementales qui ont su croiser ses objectifs artistiques et culturels. Je citerai les Drôles de Dames, l'Aldea, le Pica, ou encore Vénère, Hésiode, des festivals, Africolor, Ville des Musiques du Monde, H2O, All Neo Blues, le Festival Latino-Andalou, des associations aussi Zebrock, le réseau MAD 93 bien entendu, le Festival Hip Hop Dance, le réseau Zone Franche, le RIF, et qui ont tous participé à son rayonnement. Alors le Cap, c'est aussi une équipe de 14 professionnels impliqués, et quand je dis impliqués, c'est impliqué, dans un projet artistique ambitieux qui participe pleinement à son fonctionnement et à son rayonnement, et je vais donc les accueillir sur scène, parce que souvent ils travaillent vraiment dans l'ombre, et là c'est leur soirée, puisqu'ils se sont impliqués, vraiment travaillés, et donc je les appelle... L'équipe du Cap, je vous demande d'en faire une ovation. Donc, l'équipe administrative, l'équipe technique, et l'équipe des médiateurs. Je vous présente le signe-vous. Directeur adjoint, directeur technique, un des piliers de ce cadre, Virginie Demathieu, responsable administrative, Kadiatour Popala, secrétaire, Olivia Romano, chargée des actions pédagogiques, Nordine Bidou,
responsable des studios. Christophe Gaillac, jeune, notre dernière arrivée d'ailleurs, technicien de studio. Christelle. Alors là, il y a des anciens, il y a des nouveaux. Mohamed Fares, c'est parti. Les anciens, responsable de la médiation. Et c'est pas rien, parce qu'en fait, depuis 10 ans, le club n'a subi aucune détérioration, il faut savoir. Omar Chaïb. C'est pas là qui est Omar Chaïb, qui est responsable du pôle de ressources musicales. Marouf Diakité, qui est à l'accueil, qui est médiateur. Sophia Nadji. À la façade, c'est Sébastien Vincent. On peut l'applaudir très fort. Au retour, généralement c'est José Silva. Et aux lumières, et bien c'est Jonathan Cadoline Orton. Voilà. Donc pour cette soirée anniversaire du CAP, c'est à tous ses proches, ses musiciens, artistes, professionnels, amateurs. Chargé de l'accueil maintenant. Car toute cette soirée a été combinée et organisée pour ses proches, donc ses musiciens, ses artistes et professionnels et amateurs, partenaires associatifs, à notre public et au projet de ces 10 années qui viennent, que nous avons pensé pour son côté un programme en son et en image qui va refléter le dynamisme, la créativité, l'éclectisme, la diversité, l'émotion, bref, l'esprit qui se dégage de ce lieu. Du Cap, on va faire une chanson qui a
Ouais. Qui a tout juste 20 ans. Donc voilà. Merci de votre accueil. C'était il y a un an en plateau avec Fantasio. Donc voilà, je suis assez content puis de jouer avec le Cap Orchestra et tous ces bons musiciens. Le désert avance, les chiens n'aboient plus. Les enfants soldats font route vers la guerre. Le désert avance, les peuples fuient.
soldats aux trans pour un bout de pain perdu. Le désert avance, les peuples fuient, le sage bat la cadence avec son bâton de pluie. Waïe, que sont-ils, que se passe-t-il? Waïe, waïe, laissez-le passer. Pour les 10 ans du Cap, Thomas Seribé est là dans la place. On va aller faire un petit tour à Bamako City. On y va? Hey, Bamako City, Jay, là-bas c'est bon. C'est mon coin, c'est mon quartier. Et maintenant, dans la cour à Bamako, tous ensemble les musiciens et vous tous, on va s'y sentir bien. Jay, arrête. Avec cette salle,
Le premier souvenir, c'est que j'ai fait pour mon premier album qui s'appelait Mani Melo, qui est sorti en 2002. J'ai fait un concert ici en première partie de Daraji. Daraji. C'est là où je les ai rencontrés. Et depuis ce jour-là, déjà, on est restés potes. Et on a fait des petites choses ensemble. Donc voilà, déjà, pour moi, c'était une grande rencontre musicale. Ça s'est passé ici. Et alors, vraiment, le genre d'expérience qui arrive pas souvent dans une vie d'artiste, de musicien, de chanteur, c'est qu'il y a eu, grâce au Cap Orchestra à Bruno Willem, il y a eu un projet. Donc, il y a tous les élèves, enfin, un certain nombre, en tout cas, d'élèves du Cap ici, instrumentistes, qui ont travaillé des chansons à moi. Quatre chansons, peut-être comme ça. Et donc au cours de l'année, c'était un peu leur devoir. Et puis après, moi, je suis venu sur 2-3 jours, je crois, et on a joué les morceaux ensemble. Alors, je me suis retrouvé à jouer mes morceaux, mais avec une autre orchestration, avec d'autres arrangements, avec d'autres personnes. Donc, c'était vraiment un super souvenir pour moi. J'en ai un très bon souvenir. Eh bien, bienvenue au Cap pour les 10 ans. Donc ça fait 10 ans que je viens au Cap au moins une fois par semaine pour donner les cours de djembé et dundun. Aujourd'hui c'est un grand jour, les 10 ans du Cap. Je suis très contente, on va partager la scène avec mes collègues intervenants musiciens du Cap pour la première fois. Bonsoir, donc je m'appelle Fabrice, je suis prof de percu au Cap depuis maintenant 10 ans, depuis l'ouverture. J'ai eu la chance de voir les peintures sécher dans ce lieu et je suis content quand même de toute cette période passée, malgré tout. Donc voilà, j'espère que ça va continuer longtemps, longue vie au Cap. Et je vais vous raconter la petite histoire des Betty. Nous allons chanter ensemble puisque c'est l'anniversaire, d'accord? Ouais. Ok. Mayoula Asuana Engul Amboe Masawaye Mangan beti, 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 on va chanter tous ensemble un petit cœur. Ié ié a ié 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 a répondez ié ié a ié ié a tout le monde ié ié a répondez ié ié a. Yeah.
Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter Titi Robin. Ce qui m'a marqué le plus, je crois que c'est il y a maintenant 3 ans, dans cette salle, les musiciens venus de Chicago, à l'invitation de cet équipement. Je suis rentré un petit peu, souvent comme avant, avant que la musique commence, et ils étaient en train de s'installer. Et j'ai vu, ils n'étaient pas tout jeunes, hein, c'est des musiciens, les grands monstres sacrés de Chicago, l'école de blues de Chicago, des années... Allez, on va pas dire 50 parce que sinon ça va les vexer, mais 60, 70, donc pas tout jeunes. Ils étaient là avec leurs petits costumes, leurs petits chapeaux, un peu... Après, ils n'avaient pas l'air de musiciens, quoi. En train de... travailler un peu les instruments, préparer, les régler. La salle s'est remplie. Et quand ils ont commencé, le monde a basculé. Et la magie a surgi, la magie de la musique. Ce langage universel qui est évidemment fantastique, et on a assisté à un concert extraordinaire. D'ailleurs, extraordinaire, c'est pas un hasard, puisque l'enregistrement de ce concert sous forme de CD, tout tranquillement, à côté des grands monstres internationaux, a fait son petit chemin jusqu'à Los Angeles, au Grammy Awards. On a failli gagner, mais déjà le fait d'être nominé à Los Angeles à partir d'un spectacle coproduit par la ville d'Aulnay-sous-Bois, cette petite ville... au fin fond de l'Europe, là-bas, hein, dans un petit coin de la région parisienne. C'est une aventure extraordinaire, et c'est ça, le langage universel de la musique et de la magie de la musique comme langage de tous. On va danser un petit peu maintenant. Éclaire-moi bien la salle quand même. Je... Oh, allez, oh, 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 oh
que c'est pas la variété, que ce n'est pas pour ici Paris. Pas sur moi comme mon autosportif au PMU, un peu ému. Quand je te charrie toi, le premier de la soirée, avec ton habit granola, je sais beaucoup de buts tu as marqué. Vas-y, viens te faire charrier, ne t'inquiète pas, c'est juste taquin. Hein, quand tu vois, Schumacher les bras croisés, tu te dis que tu peux t'amuser. Tu peux y aller, pardon, ce soir, personne ne va t'en vouloir. Salut, mon nom c'est J-J-I-Z-10. Je fais un bon anniversaire pour le Cap. On est bon, 10 ans, pas tous les jours 10 ans. Voilà. Merci de m'avoir accueilli ici plusieurs fois. Et bisous. Assis au chevet d'un système perfusé, depuis le tout dernier sprint de l'ère atomique, depuis les pluies acides et la fonte des glaciers, de mon humilité quasi aquatique, les pieds dans l'eau, les poumons tristement souillés, de ma consommation stade schizophrénique, des aliénations qui finissent de m'asphyxier. Je t'écris, je t'écris, je t'écris, je t'écris. De feu de mon arrogance, les frontières miradors qui fixent le clandestin, de mon droit international, de mes sentences, des satellites espions de tout leur rêve, des dogmes mortifères, des chemins de croissance, de tous les champs disparus de nos lendemains. Alors là, je suis actuellement en train de mixer toutes mes bribes de souvenirs rattachés à ce lieu symbolique, le Cap, Aulnay-sous-Bois, cité des 3000. C'est bon là-bas, vous m'entendez? C'est bon, balance. Je les laisse faire une prise. Alors, moi j'ai passé pas mal de temps dans cet endroit, notamment au début de mon chemin artistique. Je dis pas carrière parce que c'est un mot qui me dégoûte, puisqu'on n'est pas là pour faire de l'argent et d'accéder à une quelconque forme de pouvoir, donc ce n'est pas une carrière, c'est une clairière. Enfant, la machine me grattait furieusement. Je ne savais pas pourquoi. J'étais bien jeune. Adolescent, j'avais une plaie purulente à l'Algérie. Elle n'est pas vraiment refermée aujourd'hui. La gangrène s'y est installée insidieusement. En 63, j'ai eu mal à Gaza. Déjà. En réalité, les camps de réfugiés me minaient depuis 48. À la même époque, un bourreau et sanglant syndrome du Kurdistan s'est installé dans les montagnes du Moyen-Orient. Il est devenu... chronique. Bonsoir, je m'appelle Tao Tauravao, voilà, je suis très content d'être là. Je suis venu l'année dernière faire un travail, une petite résidence avec l'orchestre du Cap. Voilà, je suis très content d'être là. Voilà. Bonne soirée à tous.
Ok, alors anniversaire 10 ans du Cap première. Salut, je m'appelle Jean-Luc, je suis prof de batterie. t'as capiche. Et donc, bravo le Cap, bravo. Bravo pour ces 10 ans, fantastique, on s'éclate tous les jours, c'est du bonheur. Merci. Eh bien bonjour, je m'appelle Nadir et je suis prof de guitare au centre culturel Le Cap à Aulnay. Et donc voilà, je suis très heureux de jouer pour l'anniversaire des 10 ans du Cap avec mon ami David, qui est aussi guitariste et prof dans le même endroit que moi. Et voilà, je suis très heureux de jouer avec lui et avec tout le monde. Voilà. Donc je le présente, il s'appelle David Play. Il parle pas, hein, c'est pour ça. Il n'est pas sourd, mais il parle pas. Voilà. Il ne parle qu'avec les mains. Il connaît que le mot voilà, c'est tout ce qu'il connaît. Voilà. Bonjour, moi c'est Nicolas Bruche, donc je suis trompettiste. Et donc, en fait, je suis venu ici pour les 10 ans du Cap, car Bruno m'a invité, donc spécialement pour l'occasion. Donc, je connais Bruno depuis 3-4 ans avec Thomas Pitio, voilà. Donc, c'est super d'être là, quoi. Et puis je souhaite un super anniversaire au Cap, et puis j'espère que ça va continuer très longtemps comme ça. Moi c'est Rodi Sereyon, DJ Rodi, bassiste. C'est n'importe quoi! Non. Il a voulu gâcher mon truc. Bassiste, prof de basse au Cap, entre plusieurs. Arrête, Tibet. Bassiste avec Tony Allen, Angelique Joe, avec plein d'artistes différents. J'ai bientôt mon album qui sort au mois de janvier qui s'appelle Just Rodi, New Jazz Roots. Mon bâton de batteur, parce que je suis batteur, et je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de tous nos artistes, et bon anniversaire au Cap. Ciao, ciao. Ouais, c'est super de fêter les 10 ans du Cap, alors que moi ça fait juste 3 ans, enfin c'est ma troisième année. C'est la troisième année que je travaille ici. Aujourd'hui c'était un grand moment de rencontre entre tous les profs, puisque finalement on se croise, mais on se voit pas tant que ça, on joue pas tant que ça ensemble, on joue pas les mêmes styles de musique, on est tous de pays différents, voilà. Et là, de temps en temps, hein, grâce à Renaud quand même, qui a beaucoup travaillé en amont, on a pu voir ce concert ensemble. Donc je m'appelle Bruno Willem et pour les 10 ans du Cap, j'ai réalisé donc les différents arrangements qui ont été joués ce soir, car là nous sommes après le concert, pour les 11 artistes invités à célébrer cet anniversaire du Cap. Donc le Cap a 10 ans, c'est une structure dans laquelle je travaille depuis son début, depuis son ouverture. Parce que j'ai eu l'honneur d'être appelé par Mohamed à l'ouverture du Cap. Il avait le projet de monter un grand orchestre amateur, un projet de big band, et qui n'est jamais vraiment devenu un big band, mais qui est en train de devenir un grand orchestre. Et voilà, c'est une histoire en mouvement avec des gens qui jouent dans cet orchestre depuis très très longtemps. Happy birthday to you.
c'est les 10 ans du Cap. C'est le gâteau au milieu du ghetto. C'est le gâteau au milieu du ghetto. Emballez, emballez. On va prendre une grande respiration, tout le monde. Attention, jusqu'à 3, on va prendre une grande respiration et on va souffler. Alors attention, on veut vous voir vous préparer. 1, jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Non, 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 ça va pas. Il y en a qui sont pas dedans. Comment voulez-vous que ça reste encore 10 ans le cap? Alors attention, on reprend. 1, 2, 3, 4. Bon, maintenant, le problème, c'est que là, tout s'est pas éteint parce que le public est dedans, mais vous, vous êtes pas dedans. Là, quoi? Tout le monde respire et on souffle tous en même temps. Et là, on veut plus voir une seule lumière, une seule bougie. Attention, 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 attention. 1, 2, 3.